Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera un prélude à une série de vidéos sur la maîtrise de l'utilisation des modules GPS avec nos montages open source hardware, que ce soit avec l'Arduino ou bien avec la Raspberry ou bien avec tout autre type de dispositif open hardware. Le module que nous allons utiliser est le Ubox NPO6M. Le module se compose d'un boîtier Ubox Neo 6M qui est le composant principal du module car il intègre toute l'électronique nécessaire au positionnement GPS. Il prend en charge l'USB avec un UART, une mémoire EEPROM pour la sauvegarde des paramètres et une RTC intégrée. Quant au module lui-même, il dispose d'une antenne en céramique à ce niveau, donc il peut être utilisé en stand-alone, plus une connectique pour pouvoir brancher une deuxième antenne, comme celle-là. Donc on peut, à ce niveau, brancher une antenne, comme celle-là. Alors on peut brancher une antenne en extérieur. Le module peut être alimenté en 3,3 volts avec une tolérance aux 5 volts. Le module dispose aussi d'une connectique USB afin de pouvoir l'utiliser directement avec un PC, d'une pile rechargeable pour un démarrage plus rapide. De plus, pour pouvoir le connecter à un microcontrôleur, le module dispose de pins à ce niveau. Alors on a le VCC et le ground, TX-RX et le PPS qu'on traitera dans une prochaine vidéo. Le module est configuré pour communiquer en TX-RX avec une vitesse de 9600 bauds. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder l'utilisation du module avec un PC et puis nous aborderons étape par étape son utilisation dans un montage électronique. D'ici là, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à nous joindre sur notre page sur Facebook ou bien à poser vos questions sur notre groupe. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.